Après le Maroc, après la Norvège, on n'a même pas le temps de se reposer en France, qu'on doit déjà repartir pour un prêt de 24 heures d'avion, Polynésie. 24 heures d'avion, mais what the fuck. On passe par Los Angeles. Ouais. Puis un peu 2 heures d'escale, puis après on est reparti direct. On va à Tahiti. Et après le lendemain, on reprend un avion pour aller sur une île paumée dans le Pacifique, Fakarava. En tout cas, on quitte le froid de Paris de décembre pour aller à l'été de la Polynésie française. On a hâte de vous montrer ça. C'est parti les gars. Parti. Là, on a pour 8 heures encore. 8 heures d'avion et on arrive tranquille à Tahiti. La chaleur. Il y avait tellement chaud. Hein. Ah ouais, 27 degrés. On est cuit. On arrive à Tahiti 23h quasiment. Et demain, départ pour Fakarava. Moi j'ai pas mal dormi dans l'avion. Ah lui il a fait que dormir lui. Ah, il fait... Moi j'ai rien dormi. On a du matos. Deuxième jour seulement, direction Fakarava. On arrive, voilà. On va s'éclater, ça va être extraordinaire. On a une heure et quelques de vol. Là pour la première fois, on va vraiment voir les eaux bleues, claires, turquoise, les plus belles plages du monde. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça? C'est parti. C'est ça l'avion? Ouais. T'as vu ce petit avion? Je dis ça mais je flippe ma race là. On est passé là. C'est l'île paradisiaque. On y est quoi. Regarde la tête de l'aéroport. C'est où? Arrivé à destination au Hawaii, c'est incroyable. Et voilà le nouveau bureau. Ça c'est très classe. Ah parce qu'on est là pour bosser quand même, faut pas abuser. Faut déconner. Ah faut pas déconner. C'est pas des vacances. Que travail. Ah j'avoue que quand même. Un bon emplacement. C'est vraiment qu'il existait que sur les cartes postales, mais là ce qu'on voit, c'est incroyable. Voilà, voilà, après une bonne demi-heure de bateau. Un fond de Fakarava, on arrive dans ce lieu de rêve pour pique-niquer aussi, pour tourner un peu quand même. Donc pendant qu'on tourne, il est parti chasser notre poisson. C'est juste sublime, c'est juste incroyable, c'est paradisiaque. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc dire que là c'est trop 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 trop. Mais c'est une bonne.
Elle veut voler mon appareil photo. T'es sincère? C'est mon appareil photo, frère. Ouais, comment il a accès? Ça, ce qui ressemble à des branchies, c'est le manteau externe. C'est lui qui travaille dehors, c'est lui qui produit cette couche nacrée. Le ventre de la nacre, c'est ça. Wow. Hein? Wow. Hein? Il est bien, bien protégé. Hein? On attend 2 ans hein, pour faire les récoltes. C'est l'abrapin. La présence d'Aquaman. La présence d'Aquaman. C'est le boss, monsieur Daddy. Bon, David, c'est devenu le réalisateur, mais aussi le photographe. C'est l'homme à tout faire. Bon, on va prendre la voiture du lodge. C'est nous qui allons accueillir en fait le patron. Il gère la ferme fermière, c'est lui qui gère l'hôtel ici, c'est lui qui gère Fakarama en fait. C'est, je crois que voilà, c'est l'homme à tout faire, c'est grâce à lui qu'on est ici aujourd'hui. Pour être sûr qu'il sache que c'est nous en fait. Ouais, ça va? Ce striptease. Hello. Ça va? Bon. Ouais. La déco de la chambre. D'arriver. Wow. Ça c'est un perroquet. Tu mets ton doigt là. Je mets pas. Tournage time. C'est parti. Je pense qu'on est perdu, mon capitaine. Ah, on va faire les dernières prises de vue de Fakarama. Déjà. Décollage, mon dieu, c'est décollage. Tu viens d'un an, David ? Non, mais survivant. Famille. Bon, bon plaisir hein. Allez, bon plaisir, merci, hein. À bientôt. Okay. Okay. Avec le paché. On retourne à Tahiti, tu vois, c'est la base. Et bah c'est tout a commencé là. Arrivé à Tahiti et il nous reste à peu près 10 jours de grosse folie. On va bien s'éclater, on va avoir des paysages, on va y avoir des beaux événements. Voilà. Bonjour la folie. Welcome.
t'es sérieux? Manara Hotel. C'est l'un des hôtels les plus luxueux de Thaïlande. Je pense que ça va être très beau et merci beaucoup à Thaï pour tourisme. Ça va être très beau. On va voir ce qu'il y a une réserve des chambres. Autant vous dire les amis, c'est pas du tout une chambre d'hôtel, mais je dirais que c'est plutôt un appartement d'hôtel. Regardez ça. Cuisine, toilette, salle de bain. Et c'est pas fini, parce que là, nous avons la chambre. Le bail est géant, c'est énorme. Vous faites super fort avec les touristes, franchement, bravo. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce bordel? Vrai palace, quoi. Énorme. Putain, chacun un palace, quoi. Ouais, c'est rien que ça. Une smogeuse de l'extrême, mais c'est incroyable. La meuf elle longe à 45 mètres environ. Elle fait des vues de fou. Non, encore 70 mètres. Mais non. C'est incroyable. Regardez, elle ça. Est juste modeste. Juste regardez. Et moi j'ai fait mon record, j'ai fait 10 mètres. On est là. Et la team de choc, on a la petite sirène. On a la caméraman de choc. Par contre, je tiens à dire, la meuf elle a giflé un poisson. J'ai vu ça. J'ai pas compris. Il aurait dit un saumon qu'on avait pêché. Ah, attention! Elle a gâché la vidéo. Ouais, on fait ça. Elle fait comme ça, elle marche, elle me regarde et moi, t'as fait du. J'arrive comme ça et de dos. Mais rien que quelqu'un comme ça et toi debout, c'est joli. Ouais, je tombe. Ah oui, c'est sorti même. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, c'est suspect. Non, j'apprends elle, tu vois pas là. Ah merde. Attends, elle a pas demandé. Attends. Spécialité façon Michigan. Ouais, voilà, donc normalement on prend un verre normal, mais bon, on aime des verres à vin ici. Dans un verre à vin, attention, c'est important. On casse l'œuf comme ça, hop là, on en met un. Moi généralement je les bois 6 par 6. Il va falloir que je bois ça.
Voilà, donc tu bois et tu gobes. L'idée c'est de pas croquer le jaune, c'est vraiment de le gober, de vraiment ouvrir là. Oh non, putain, mais comment je porte? Attends, mais tout d'un coup? Oui, tout d'un coup, ouais. C'est impossible. Et tu gobes bien. J'ai fait ça. Et si je recrache, tu vas pas la story. Plus haut, plus haut, plus haut. Ça recroche. Mais tu arrives pas, ça me donnera à vous. Non, mais faut gober. Faut ouais, mais c'est chaud. Vas-y. Ouvrir le gosier. Voilà, voilà. Putain, j'ai cette pose douce. Putain, c'est un calvaire. La bouche de mon père, ouais. Oh, c'est un calvaire. Craché. La fin de tournage avec la Miss Rava, Mister Monde Michigan, et c'était notre dernier tournage en Polynésie, et bravo, waouh.